trahi par la technique. Et c'est la raison pour laquelle mon discours sera très court. Mais l'amitié qu'on porte à un peuple n'est pas liée à la longueur du discours. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes ici à la fois pour fêter l'indépendance de votre beau pays, mais plus largement pour dire au peuple tunisien, au nom du gouvernement français, que nous sommes à vos côtés. Vous avez initié un mouvement démocratique, vous avez su résister à un certain nombre d'excès, vous êtes ressaisi malgré les difficultés de tout genre, économiques, sociales, violences. Vous avez adopté une constitution qui est exemplaire et aujourd'hui vous vous acheminez avec le gouvernement du Premier ministre Jomar vers des élections libres et démocratiques. Comme l'a dit le président de la République qui s'est rendu plusieurs fois en Tunisie au cours des derniers mois, nous sommes à vos côtés et ce n'est pas une formule en l'air. Nous sommes à vos côtés sur le plan économique si important. Nous sommes à vos côtés sur le plan de la sécurité si décisif. Nous sommes à vos côtés sur le plan des principes. La Tunisie peut et doit être un exemple pour l'ensemble du monde arabe. Et puis la Tunisie pour tous les Français. Vous êtes nos amis, nos cousins, nos frères. Et donc nous n'avons qu'un souhait, c'est que la Tunisie réussisse dans ce qu'elle a entrepris. Et pour cela, nous serons à vos côtés. Sur un plan beaucoup plus anecdotique, comme il faut montrer l'exemple, et comme la Tunisie a besoin pour retrouver sa santé économique de touriste, je confirme que je me rendrai pour mes vacances d'été en Tunisie. Ouais. Je ne dirai pas le jour exact pour éviter des émeutes, des soutiens très massifs, mais nous ne sommes plus d'accord avec ma compagne, ce sera donc la Tunisie. Et j'espère que compte tenu de la destination que nous avons choisie, j'aurai une autorisation exceptionnelle du président de la République pour prendre des vacances. Monsieur l'ambassadeur, vous représentez ici un pays magnifique qui a tous les atouts pour réussir. Et votre réussite sera la réussite de la démocratie. C'est pourquoi, au moment où nous vivons dans l'amitié, dans ce beau palais, la fête de l'indépendance, je vais vous dire tout simplement, au nom de la République française, qu'entre la Tunisie et la France, c'est une histoire d'amour et pour toujours. Une histoire d'amour qui durera. Toujours. Très bien. Très bien. Non, ça non, mais elle veut savoir la date quand vous avez en Tunisie parce qu'elle veut être. Non, je suis accompagné. Moi, j'ai plus. Oui, non, non.